Good morning, Aleiden. Les Suisses aujourd'hui, le Lenishmat Abraham Chai Norber Ben Fortune Mazal, Yedida Bat Esther, Chaya Bat Tovar, Chamim Ben Rosa. Si vous souhaitez aussi des yeux, une prochaine étude de Michel, pour les 5 minutes éternelles, nous étions à Massechet Bechorot, par écrit, Mishnah Zain, Chamesh Slaim Shel Ben, Bemane Tzori, Shloshim Shel Eved, Vachamishim Shel Ones, Vachel Mefate, Umea Shel Motzi Shemra, Kulam Beshekel Akodesh, Bemane Tzori. Mishnah simple qu'on va étudier en parallèle avec le Bartonois qui rallonge beaucoup pour détailler ce qu'il y a en fait. Le but de la Mishnah est de me préciser d'abord deux points essentiels. Tout, à chaque fois que la Torah m'a dit de payer un shekel, 5 shekel, 5 shloshim shkalim, à chaque fois que vous allez voir des expressions comme ça dans la Torah, de toutes sortes, il y a shloshim shaleved, il y a les 50 pièces du Yones. Et du Mefate, là-bas, 50 ou 100, Kemoara Betulot, il y a toutes sortes de knassot, d'amendes que la Torah a imposé de payer, ou de frais que la Torah a demandé de payer, en shekel. La question, c'est qu'est-ce qu'on appelle un shekel? Il y avait à l'époque, on avait les pièces étaient en général en pesant d'argent ou pesant d'or, mais il y avait aussi, bien sûr, vous imaginez bien, faire des pièces en argent, ça véhicule des sommes très conséquentes. Alors, pour les monnaies plus courantes, alors, on utilisait des pièces en argent, mais qu'on alliait aussi avec du cuivre. D'accord? Pour vous donner une idée, en fait, c'est ce qu'on va parler essentiellement dans notre Mishnah et le Barthénora, c'est qu'on va parler par exemple du shekel, qui était un poids spécial d'argent, si ça vous intéresse, je le dis tout de suite. Il y avait l'équivalent de, c'est écrit ici dans le Barthénora, il y avait au début 320 grains d'orge d'argent. Prenez 300 grains d'orge d'argent, c'est une taille d'un grain d'orge, 320, vous collez tout, ouais, vous l'alliez, vous en faites une pièce, ça fait l'équivalent d'un mané. Ça, c'est une pièce. Pour le pigeon d'Aven, on en utilisait 5. On expliquera après plus dans les détails. Eh bien, donc vous imaginez que c'est une somme assez conséquente, assez importante. Avec ça, on va avoir du mal à aller acheter du pain. C'est une pièce trop conséquente. Alors pour ça, il y avait des pièces en cuivre, mais il y avait aussi beaucoup de pièces qui étaient alliées. D'ailleurs, à notre époque, quand on voit encore les pièces... En Israël, les 10 shekels, ou bien les pièces, je crois, les 1 euro en France. En Israël, on n'a pas tellement des euros, en fait, mais on utilise le blanc au milieu et un peu cuivré autour. Ça vient de l'époque, en fait, c'est pas qu'on fait juste du design. Ça vient de l'époque où, justement, on utilisait une pièce qui était alliée, un peu comme les jetons. Je crois au casino, je crois que c'est un peu le même principe. Vous avez des jetons où ils vont vous mettre dedans de l'argent, mais aussi avec un contour. Ça laisse quelque chose de conséquent, parce qu'on va pas se promener des petites pièces qui font d'accord, des minuscules pièces, ça va se perdre facilement. Donc pour que ce soit véhiculé bien, on leur ajoute du cuivre, par exemple. Voilà l'idée. Maintenant, il y avait des pièces en shekel, donc je vous ai dit, c'était 320, mais il y avait aussi, on utilisait la même taille exactement, et ça s'appelait aussi un shekel, mais qui était cuivré à 7/8%, c'est-à-dire on utilisait un huitième, c'est pour ça, c'était une découverte pour moi, parce que je savais qu'il y avait une différence, en fait. De 1 huitième entre les pièces de la Torah et les pièces de Chazal. Mais je ne savais pas tellement pourquoi. Pourquoi 1, il fallait 8 de pièces de l'époque pour faire une pièce de Chazal, de la Torah. Je ne savais pas tellement pourquoi, mais en fait, j'ai compris dans la Mishnah. Parce que tout simplement, on mettait 7 huitièmes d'alliage. Donc, forcément, la valeur, le cuivre, j'imagine que ça doit valoir presque rien. Donc ça perdait toute la valeur, en fait. Il ne restait plus qu'un huitième de la valeur. D'accord? Ça, c'est le principe de la Mishnah, le premier principe. Deuxième principe, ça va être de préciser avec quoi on peut racheter les choses, comme on verra dès qu'on arrivera dans la suite. On commence par le mot, donc. Chamesh Slaim Shel Ben. Les 5 Slaim. La Torah nous a dit, qu'est-ce que Chamesh Shkalim? Nous, on a parlé de 5 Sela. Quand on parle dans la langue courante, on parle de Sela. Vous vous rappelez qu'on avait donné le signe mnémotechnique, Sadam Podovev, Sela Dinar Ma'a Pundion Isar. Le Sela, c'est le shekel. Maintenant, mais attention, on parle Bemane Tzori, avec un mané qui sort, qui est utilisé, qui est une monnaie courante dans le pays de Tzor. C'est un pays de Tzor à l'époque. Je ne sais pas comment ça se traduit en français. On utilise dans le Tanar, c'est un pays. Et donc, un mané qui sort, qui est utilisé à Tzor, une monnaie courante de Tzor. En fait, c'est pour me dire qu'elle est en Kesef Mezukak. En Kesef pur. D'accord? Idem encore, donc finalement, donc, la Torah utilise le mot Chamchet Shkalim, Chazal utilise le terme de 5 Sela,
En fait, il faut le mesurer avec le mané tsuri. Le va en tsur, c'est apparemment un pays riche, j'imagine, où là-bas, on utilisait beaucoup plus largement des monnaies en pièces d'argent. Idem encore pour Shloshim Shel Eved, les 30 de l'esclave. La Torah a donné un knas spécial lorsqu'on va avoir un taureau qui va tuer un taureau qui va tuer un. J'ai un petit doute d'une seconde. Ouais, je sais pas si je. D'accord. La Torah a donné un knas spécial quand un taureau il va tuer un esclave, il va falloir payer Shloshim Shel Eved, 30 pièces d'argent. Qu'est-ce que c'est Shloshim Shkalim, la Torah l'a précisé dans Mishpatim. Et 30, avec quelle pièce? Manetsori. Idem encore pour Hamishim, Shel Ones, Shel Mefate. Idem pour aussi le Knas, l'amende que devra payer celui qui a violé une jeune fille, ou qui a séduit une jeune fille aussi. La même chose, la Torah a précisé qu'il devra donner une amende au père, ou il devra aussi se marier avec elle, il n'aura pas le droit de la renvoyer. Alors, de nouveau, ce sera aussi en Manetsori. Ou encore, même, il y aura Umea. Shel Motsi Shemra, idem pour aussi la paracha particulière du Motsi Shemra, celui qui fait de la médisance sur sa jeune femme, un homme qui s'est marié, et le lendemain matin, il vient se plaindre au Bedin, dit qu'il a remarqué que la femme elle avait déjà eu un passé. Il la soupçonne d'avoir eu des relations avec quelqu'un, avec un étranger, pendant la période du fiançailles, donc elle était passible de mort parce qu'à l'époque le fiançailles c'était comme le Kiddushin. Toute la Torah précise, en réalité, donc on va lui prouver que non, c'est pas vrai, et qu'il a juste menti. Et si elle a menti, il devra donner un knas spécial parce qu'il a souillé le nom de la famille en le faisant courir des rumeurs qui n'étaient pas dignes. Il aura un knas spécial de donner 100 pièces. Quelle pièce? Manetori de nouveau. Kulam. Omea Shel Motsi Shemra. Kulam Beshek à la Kodesh. Il faudra tous le donner avec le Shek à la Kodesh, le Shek à la donné précisé, explicité dans la Torah, qui est Bemane Tsori, qui est donc donné avec un mané de la ville du pays de Tsor. Ok? On a apporté tous les points essentiels du Barthénois en disant que l'équivalent à l'époque de Moshe, il y a quelque chose d'important qui s'est passé. C'est que dans l'histoire du peuple, au Baït Sheni, lorsqu'on a reconstruit le Beit HaMikdash, on a pris toutes les mesures, une notion que j'ai évoquée, toutes les mesures, on les a faites grandir. C'est-à-dire, si avant, même les poids et mesures, on les a augmentés. Avant, on avait un poids, on partait au marché, on utilisait un poids de 1 kg. Et bien, imaginez que vous allez partir au marché le lendemain, on va prendre le même poids. On va lui rajouter un sixième de son poids et on va dire que ça s'appelle ça un kilo. Et on a fait la même chose avec les pièces aussi. On les a faites grandir, je ne sais pas exactement pourquoi. C'est même précisé dans le Navi déjà. Et donc du coup, au début, on utilisait une pièce, un mané, ça valait 320 pièces. Et après, on a aussi fou à la midot qu'ils ont rajouté sur les mesures. Et du coup, la pièce, elle est passée à 384 grains d'orge en taille, d'accord? Et voilà, on a fait l'essentiel de. Le bâton de l'allonge d'or sur la ktouva de la femme. La Torah, la ktouva, c'est un peu délicat en fait. C'est-à-dire, on va faire un petit peu d'ordre. Finalement, on a tous les sujets explicites dans la Torah qu'il faut donner en argent. Donc, il faut le donner en shekel à Kodesh, Bemane Tsori, avec la pièce de Tsor, la fameuse pièce qui est en argent pur. Alors que lorsque vous allez voir dans tout le chasse que Chachamim, ils ont donné des knassot de payer 20 shekels, 40 shekels. Il y a toutes sortes de nezakim qu'il va falloir payer de l'argent. Là-bas, ce n'est pas explicite dans la Torah. Ah, donc quand il y a marqué shekel, ce n'est pas le shekel de Tsori, mais c'est ce qu'on appelle le shekel Medina, un huitième de moins. D'accord? Comme on expliquait une pièce alliée. Sur ça, maintenant, le Barthénois est allongé sur un petit détail avec la ktouva d'une femme. Vous savez, dans la femme, il faut, pour la femme, quand on marie avec une jeune betoula, une femme vierge, eh bien, il faut lui donner, dans la ktouva, on s'engage de donner au minimum 200 matayim zouz, 200 pièces de 200 zouz. Et de nouveau, on aura la même question, c'est quoi le zouz? Est-ce qu'on parle en pièces pures ou non? Marc Loquet entre le Rambam et les Rabbanim du Barthénora. Le Rambam, il a dit que la Ktouva aussi, elle est... que c'était ici, au Meachel, au Zirimra, pour la même souris, je ne sais plus où c'était écrit, mais en tout cas, je l'ai vu tout à l'heure. À Knesset, ouais. Selon le Rambam, la Ktouva, elle est en pièces, mais de Rabbanan, donc qu'il n'y a pas d'autre souris. Tandis que le Barthénora, il rapporte que le nom de ses maîtres, qu'il faut payer avec une pièce qui est une pièce ancienne, en argent pur. On continue avec la suite de la Mishnah, la dernière partie de la Mishnah, avec Kula Nivdin Bekesef ou Beshave Kesef, Chutz Minash Kalim. Je traduis d'abord, et Kulam et tous se font racheter, donc dédommager ou payer, Bekesef, avec de l'argent pur, ou encore, ou Beshave Kesef, ou même aussi avec de la valeur d'argent. C'est-à-dire, si toutefois tu veux.
tu dois payer les 30 du EVED. 30 shkalim du EVED, tu dois les payer. Tu n'as pas d'argent comptant, mais tu veux payer en contre-valeur. Tu as chez toi des chaises qui ont la valeur. Bah, tu veux les donner les chaises, tu peux les payer comme ça. Donc tout ce qu'on a, tout ce qu'on a évoqué auparavant, tu pourras, même si avec le... Avec le Pidyon Aben aussi, on n'est pas obligé forcément de donner de l'argent. On peut aussi donner une contre-valeur. Et on s'acquitte ainsi. D'accord ? Donc, Vekula Nivdin Bekesef, tous se font racheter par du Cheve Kesef, du Kesef, de l'argent pur, comptant, ou encore au Cheve Kesef, ou encore même avec de la valeur d'argent, à une exception qui est Chutz Min Hashkalim. C'est quoi Chutz Min Hashkalim ? Chutz Min Hashkalim. Chutz min hashkalim, c'est ici. Là-bas, l'ishkol machatzit hashekel. Oh, la mitzvah de payer le machatzit hashekel, là-bas, il fallait payer spécialement en pièces d'argent. Vous savez, le premier Adar, on était machriz, il fallait payer ensuite, dans le mois, il fallait payer la dette, la cotisation au Beit Hamikdash en shekel. La Torah incitait de machatzit hashekel, comme on a lu dans Parashat Shekalim, après on a donné le machatzit hashekel, zecher le machatzit hashekel, il fallait là-bas payer en pièces d'argent amitit. Et encore une deuxième exception que le Bartenoir rapporte, c'est encore le Maser Sheni. Lorsque tu rachètes le Maser Sheni, alors tu dois nécessairement le racheter, pas forcément sur du shekel, mais en tout cas, il faudra le racheter sur une pièce qui a un qui a été composté, qui a été poinçonné. Pas une contre-valeur, une pièce qui est courante, quoi. D'accord ? Et ben c'est tout, on a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Sacha Kol Tov, salam.